Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis en compagnie de ma collègue Laurence Toulaine, responsable des formations à Louvain-la-Neuve et également responsable des voyages culturels organisés à l'UDA. Et je lui passe la parole. Bonjour à tous aussi. Bonjour Mathias, merci pour cette présentation. Donc Mathias, toi tu es responsable du site d'Evoluer et aussi responsable des formations sur le site d'Evoluer toujours. Alors, on a envie à travers cette capsule de vous parler des cours ouverts qui se dérouleront durant la semaine du 6 au 10 septembre, respectivement les lundis, jeudi et vendredi, le mardi et mercredi étant consacrés à d'autres activités, et en matinée à Louvain-la-Neuve, de 9h30 à midi à l'auditoire Montesquieu 11, c'est-à-dire au centre de Louvain-la-Neuve, et je te cède la parole pour Bruxelles, Mathias. Et donc à Bruxelles, les trois cours ouverts auront lieu l'après-midi de 14h à 16h30 et les séances se dérouleront dans l'auditoire Roi Baudouin numéro A, avenue Emmanuel Mounier. Alors, une petite explication concernant ces trois journées. Donc, le lundi à Louvain-la-Neuve, en matinée, on a choisi de représenter la rubrique Culture du monde. Parce qu'évidemment, on a plein de rubriques à vous proposer, mais on a dû sélectionner quelques-unes. Donc, à l'honneur, pour le lundi, ce sera la nouvelle rubrique qu'on a créée, Culture du monde, qui est en fait une rubrique qui reprend des formations qui ont trait de loin ou de près à certains voyages qui seront proposés durant l'année prochaine. Donc, pour représenter ça, on a choisi une nouvelle formatrice qui s'appelle Juliette Milbach, docteur en histoire de l'art, qui va parler, elle, de la Russie. Mais on a aussi quelqu'un que vous connaissez très bien pour les membres de l'UDA qui ont déjà voyagé, Eugenia Navarro, qui va parler de l'Amérique ibérique. À Bruxelles, l'après-midi, nous accueillerons pour représenter la rubrique Histoire, Thierry Demey et Monsieur Jean Kums. Alors, le jeudi matin, on va plutôt aller surfer dans le domaine scientifique avec deux conférenciers. Un qu'on a choisi pour une introduction aux sciences de la Terre, Johan Jans, et Francesco Lobue, qui va, lui, être dans l'histoire de l'univers. Donc, le jeudi après-midi, nous aurons une première rubrique qui sera celle Lettres, langues et cultures, représentée par Madame Nicole Debar, et ensuite la rubrique Histoire de l'art et archéologie, qui sera représentée par Stéphanie Billard. Enfin, le vendredi, pour clôturer cette belle semaine, on a choisi de mettre la philosophie et le développement personnel, ces deux rubriques, mais qui ont parfois un lien une proximité dans certains thèmes. Denis de Coster, d'ailleurs, établit ce pont entre la philosophie et le développement personnel. Tandis que Stéphane Echèche, lui, va parler de la programmation neurolinguistique. De nouveau, j'insiste sur le fait que ce ne sont que des exemples d'intervenants parmi cette catégorie en développement personnel. Il y a beaucoup d'autres choses, évidemment. Et donc, n'hésitez pas surtout à parcourir la brochure et à venir lors de ces rencontres pour justement qu'on puisse vous expliquer plus en profondeur et plus en détail le programme et répondre à d'éventuelles questions. Voilà pour Louvain-la-Neuve, Mathias. Et pour clôturer la semaine à Bruxelles, le vendredi après-midi, nous accueillerons trois professeurs émérites de la faculté de médecine et de médecine dentaire, ainsi que une médecin hématologue des cliniques universitaires Saint-Luc qui viendront présenter différents cycles qui seront proposés l'année prochaine à Louvain-la-Neuve, mais également à Bruxelles, puisque toutes les rubriques reprennent des cours qui sont présents sur les deux campus de Louvain-la-Neuve et de Bruxelles. On vous espère nombreux lors de ces séances et toutes ces informations seront prises en détail sur notre site internet, dans notre brochure, programme d'activité et
Je vous dis à très bientôt. À bientôt.